3. À partir du 22 mai, via la boxe SFR selon l'ordre souscrit, ou via l'ordre SFR Sport 100% digital, la Ligue nationale de basket vous présente les 8 meilleures équipes du championnat à la conquête du titre de champion France. Et puis vous l'avez remarqué, ce gros cube au milieu du parquet du Vénus, la SIG Strasbourg, la Ligue nationale de basket et Betclic vous présente la Betclic Decider Battle du Vénus Sport, c'est-à-dire que le concept est simple, c'est de faire un maximum de bruit durant 20 secondes, ce sera tout à l'heure. Il y aura un décompte que l'on fera ensemble afin de montrer à tous et à toutes que vous êtes, que nous sommes le meilleur public en France. On vous rappelle que le record, c'est 114 décibels. C'est-à-dire que tout à l'heure, à 1 minute et quelques coups d'envoi, il faut qu'il s'inscrive sur la boîte au milieu du parquet, 115, 116 décibels. Le record à battre pour que la SIG Army soit considérée comme le meilleur public, c'est de passer les 115 décibels. On compte bien évidemment sur vous pour faire exploser cette bosse, le Betclic Decider Battle. Rendez-vous juste avant le coup d'envoi de cette rencontre pour vivre cette expérience unique. Et puis on vous le rappelle, pour profiter pleinement de votre match, évitez les files d'attente à la buvette, téléchargez l'application DigiFood. Vous pourrez ainsi commander vos sandwichs et vos boissons directement de votre place et vous faire livrer sur votre siège. Ce service est ouvert à midi à 12, totalement gratuit, alors profitez-en. Téléchargez l'application gratuite DigiFood. Vous commandez vos sandwichs et vos boissons de votre place et vous vous faites livrer directement sur votre siège.
mobilisation du public commence. C'est le coup de sifflet de cette rencontre. Pas seulement quand on a 10 points d'avance, pas seulement quand on a 15 points d'avance. Ça, c'est trop facile. On a besoin du public justement quand l'équipe doute, quand l'équipe est menée, quand l'équipe est égalité avec les adversaires. On a besoin du public pour mettre la pression sur l'adversaire, pour soutenir, pour euphoriser les joueurs de la Cité Strasbourg. Alors on a besoin de vous. Quand je vous demande de vous lever, c'est pas pour moi, c'est pour les joueurs, pour qu'ils vous sentent derrière eux, pour qu'ils sentent la puissance de la cigarette. On a plus de 6000 ce soir. Donc je veux des broncas à s'en faire signer les oreilles. Je veux des cris, je veux des supporters. Dites-nous de ce nom, dites-nous du talent des joueurs de la Cité Strasbourg. Thank you.
applaudissements aux deux équipes, applaudissements pour l'Asvel Longue-Norval et applaudissements pour la CIC Strasbourg. Thank you.
trois fois champion. Voilà, c'est la fin de la victoire. On se fait.
Rogers.
Voilà les femmes du premier quart-temps sur le score. 2-20 pour la 6 Strasbourg. 18 pour la Stadion Villeurbanne. Mesdames et messieurs, on va accueillir une association de danse polynésienne, Ratare no Taiji.
Daniel Goldbacher. Possession 1-0.
et applaudissements aux danseuses de la CIL Strasbourg. Thank you.
La tribune du côté du monde de l'Est, mettez au bilan, vous êtes prêts? 3, 2, 1, ensemble! Oh, parfait! Et la tribune du côté du monde de la Cité Strasbourg, avec le code des supporters, ça nous fait faire 3, 2, 1, ensemble! Premier ballon, c'est le Marquis Nelson.
de danse polynésienne. Leur but est entre autres de rassembler tous les Polynésiens de l'Est de la métropole et tous ceux qui s'intéressent à leur coutume, de promouvoir la langue et la culture polynésienne et d'apporter un soutien humain et matériel aux familles et aux malades. Applaudissements à Rakere no Tahiti, danse polynésienne. Suivez également
23, en direct et en exclusivité sur SFR Sport 2. C'est sur le canal 29 du bouquet SFR et les canaux 17 et 151 de Numérica. Rendez-vous demain à 20h45 pour suivre le match 2 des demi-finales des playoffs LNB de 3 entre l'Élan Chalon et le Paris de Valois. Ce sera en direct et en exclusivité sur SFR Sport 2. SFR Sport 2 vous accueille sur le canal 29 du bouquet SFR et les canaux 17 et 151 de Numérica. Retrouvez également l'intégralité des playoffs LNB de 3 en direct sur l'application SFR Sport, disponible sur Android et Apple. Et suivez tous les playoffs LNB de 3D en direct sur la LNB TV. Nous saluons une nouvelle fois le soutien de la ville de Strasbourg, de l'Europe métropole, de la région Grand Est. On salue Suez, le Crédit Agricole, Alsace-Vosges, Stradine, le groupe Vinci, Nicopac, Adidas, TBS. On salue également les plus de 200 entreprises privées, partenaires et aussi de la City Strasbourg, est présente ce soir. We'll be right back.
Alors on compte une nouvelle fois sur le public présent pour être encore plus fort à l'occasion de cette deuxième période. Le score est de 44 pour la Six-Strasbourg, 30 pour la Saint-Lyon-Villeurbanne. Mais vous savez qu'en basket, tout peut revenir très très vite, surtout face à une magnifique équipe comme la Saint-Lyon-Villeurbanne. Donc, mobilisation générale du public une nouvelle fois. Aurélie du sport, vous avez été magnifique en première période. On compte sur vous pour continuer à vous lever de façon automatique comme vous l'avez fait. Pour scander, chanter, siffler. Je veux nos magnifiques broncas à s'en faire pleurer les oreilles. Et puis on veut également un club de supporters au milieu de sa forme, ça a été en première période. Et un public à l'unisson derrière la Six-Strasbourg. Pour celles et ceux qui veulent assister à un match tranquille, facile, les bras croisés, vous vous êtes trompés d'affiche. On a besoin d'un public vivant, on a besoin de vrais supporters, de vrais acteurs de la réussite de la Six-Strasbourg et à la hauteur du talent de la Six-Strasbourg. Comme en première période, les puissances 10 pour les deux prochains 4 ans. Thank you.
Antoine Bola pour la Svetlana Bielorussa.
sorti le pelagon, droit pied Dinard, retour d'Hervé Loingard, aux côtés du capitaine de la SIG, Jérémy Leloup.
Possession remise en jeu, 6 matchs. Thank you.
étudiants Jean-Charles Accordier de Point. Jean-Charles qui obtient la faute. Deuxième faute personnelle, Éric Pinchet. Grâce à l'application de la Ligue nationale de basket, disponible sur Android et iOS, et
Maintenant, nous rentrons sur la page live de la rencontre.
personnel Roméo Trévis. Deuxième faute personnelle pour Roméo Trévis. Possession à Zvanion Filon.
Auxerrois. Et retour au jeu du numéro 1 de la fête en Villeurbanne, Nicolas. Thank you.
faute personnel, Mark Jenke. Quatrième faute personnel pour Mark Jenke. Relancé de Marcus Nelson. Thank you.
Ici, au Rennes du Sport,